antenne offerte à la conscience, c'est une série vidéo, une collection vidéo, que j'ai réalisée et, entre 1992 et le dernier titre, c'était presque 2000. Allez, en gros. Il y a eu 18 portraits comme ça, simplement à guider les gens pour qu'ils expriment l'essentiel du fruit de leur expérience de vie. Évidemment, tout ça en relation avec la conscience, avec l'élévation de conscience, avec l'éveil de conscience. Pour en arriver voilà, à quelque chose de très, très sobre, très épuré. Voilà, de très sobre, de très épuré, de précis, qui touche. Qui touche tellement que ça fasse péter le cadre de la télévision. C'est-à-dire qu'on a la personne devant soi. Parce qu'elle s'adresse à vous. En fait, tu filmais en noir et blanc, de sobriété, et tu filmais sur un fond noir, avec deux ou trois axes de caméra. Et donc pas de questions, justement, pour laisser la parole libre. Il n'y a pas de questions, mais il y a tout un conditionnement. C'est à la fois des programmes qui sont très beaux, mais à la fois pour les gens qui interviennent, je me doute que ce n'était pas évident de se retrouver face à une caméra, tout seul, et de parler pendant trois quarts d'heure du message qu'on veut délivrer. C'est pas évident pour tout le monde. Dans la collection, on sent que certains sont quand même... C'est pas évident, hein. Trois caméras, un studio télé, du monde, les éclairages, la régie, c'est pas facile, quoi. Tu vois ce que tu fais, Michel, là, ce que tu fais, ben, c'est au-delà des questions que tu peux me poser, au-delà de ce tapis que tu me déroules, là, c'est vrai que c'est facile, c'est un plaisir de faire ça avec toi. Il y a des questions, etc. Mais au-delà de tout ça, ça fait quand même un moment que tu me rencontres. Et c'est ça qui était important. Moi, en dehors du temps que je passais avec les uns et les autres, des fois c'était très court, mais ce qu'il fallait, c'est établir la confiance. Il y a une relation de confiance, parce que je vais leur demander de l'intime. Je vais peut-être même leur demander du secret. C'est quand même fort, quoi. Pouvoir passer un moment comme ça, leur proposer quelque chose, leur proposer ce cadre. Puis Jayan Thibène, quel bonheur. J'avais l'impression que j'avais Gandhi sur le plateau, là. Il y a eu des miracles tout le long, tout le long. J'ai eu des cadeaux superbes, merveilleux. La confiance, établir une confiance, avoir une parole. Savoir que ces gens, ils viennent sur mon plateau et ils seront respectés. Et déjà le respect énorme, c'est-à-dire dans la mesure du possible, je ferai tout pour ne pas couper, même si vous ne dites rien. Et il y a du vivant qui passe, c'est ça. Ben, du vivant, ouais, il y a de l'amour qui passe. Et l'amour, il passe. L'amour, c'est quelque chose qui n'est pas matériel, donc il passe aussi à travers la télé, bien sûr. Il passe à travers les bouquins, il passe à travers tout ce qu'on veut. J'avais réalisé avec un ami un film qui avait eu du succès, un film sur un handicapé, qui est un film qu'on avait appelé Je veux le soleil debout. On a eu beaucoup de prix internationaux. Un film qui a quand même été. Qui a un peu parcouru le monde dans sa version anglaise et qui m'avait laissé croire que je pouvais prétendre faire quelque chose. Avec la télévision, avec les télévisions. Et en fait, quand j'ai essayé de créer, de proposer, quand j'ai commencé à proposer cette aventure à certaines chaînes, certaines émissions, je croyais que j'avais des portes entrouvertes et c'était une belle illusion. C'est ce que j'appelle mes couloirs initiatiques. Un autre aurait peut-être été... Bon, bref, au bout d'un moment, j'ai décidé que j'y arriverais pas, que c'était pas la peine que je continue à pousser ces portes. Et plus je les poussais, plus elles me revenaient en pleine figure. Je laissais tomber Paris, tout ça. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je peux faire en Ariège ? Je décide de vivre en Ariège, je décide de vivre sur ma terre.
qu'est-ce que je peux faire de là-bas avec cet outil que je maîtrise à ma façon. Et j'ai vu que je pouvais, avec les moyens que j'avais, je pouvais faire quelque chose, aller dans la sobriété, tout enlever de l'idée pure, oser. C'est-à-dire faire quelque chose qu'aucune télé pouvait faire. Même aujourd'hui. Et ça me faisait rire. Et j'avais du bonheur à penser à ça. Donc je me suis mis à le faire. Certains, ça a été 2 ans, du premier contact jusqu'au tournage, jusqu'à la mise en boîte, hein. Après il y a le montage. Bon. Mais avec certains, ça a été 10 jours. C'est complètement différent. Avec certains, j'étais dans une lenteur, mais certains, je ne les ai pas fait encore. Hein. Alors, pour toi, ça peut se faire un jour, ou pour toi, la série, elle est définitivement... Je ne sais pas. Pour l'instant, je suis obligé de marquer un temps de pause, je suis passé au bouquin. J'ai même pas, tu le sais, maintenant, il faut que je fasse que je mette la collection en DVD. Elle n'est toujours pas en DVD. J'ai gardé précieusement certaines lettres, la plupart. J'ai gardé, et je garde dans mon cœur des coups de téléphone, comme par exemple celui d'un jour d'Edmond Blatchen, présentateur, réalisateur de l'émission Nom de Dieu, très prisée en Belgique, une émission sur la conscience justement. Heure de grande écoute en Belgique. Il a parlé de mes films dans ses émissions télé, au début, à la fin. Il m'a envoyé les cassettes sans que je lui demande rien, pour me montrer qu'il en avait parlé. Et j'ai reçu des commandes donc de Belgique et tout ça. C'est ça, c'est une chaîne. J'ai édité, finalement, parce que je ne pouvais pas faire autant, parce que personne ne me suivait. Il a fallu que j'aille jusqu'au bout, jusqu'à pondre la collection vidéo, avec les jaquettes, avec le catalogue, avec le petit papier dedans, avec choisir le boîtier, choisir la maison qui va dupliquer le laboratoire, tous ces machins, les stocks. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Après, il faut un diffuseur. J'en ai bavé, c'était pas évident, j'ai douté. J'ai failli laisser tomber. Mais régulièrement, il y avait la joie. Maintenant, ça va, hein, on parle mieux de la conscience maintenant. Mais 1992-13, c'était un peu pompeux quand même. Hein, pour certaines antennes offertes à la conscience, il ne se fait pas chier celui-là. Et puis là, je mettais ce petit bonhomme, là, ce petit indien sautillant. Avec. C'était pour alléger. Certains ont compris. Hein, certains ont compris. Et puis il y avait les toiles dorées à chaud, le début du travail d'éditeur. Là. L'essentiel. Mais certains voyaient tout ça. Ça me touchait. Voilà, on voit, c'est les cassettes vidéo, là, on retrouvait cette recherche de la sobriété, de l'essentiel. Ça, c'est des images qui sont tirées directement des films. Hein. C'est des images vidéo à l'origine, de bonne qualité. On tournait dans de bonnes conditions. Sobriété, essentiel. Et puis rapport avec le livre quand même aussi. Hein. On voulait que ça s'inscrive dans le cadre de la librairie. J'aime beaucoup l'enregistrement avec Jean-Yves Leloup. Il est sur le fil et il marche et il avance. Il est assez figé, il est assez rigide, mais il y a tout dans les yeux, il y a une voix. Et donc à la fin, on le voit. J'ai fait un gel sur image à ce moment-là. On sent vraiment qu'il a tout dit. C'est posé, c'est magnifique. Le portrait à la fin est magnifique. Plaf, gel sur image. Tac, 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 les spots s'éteignent. Et on entend sa voix qui dit « Je ne savais pas que la vidéo pouvait être un art sacré. » Et oui, il m'a fait un gros cadeau, hein, parce que... Et finalement, tu l'as gardé sur la bande ou pas? Non, j'ai gardé pour moi. Je vous le dis là.
un grand moment, une sorte de... Je ne vais pas dire un point final, mais pour moi, ça a été une apothéose quand même, parce que ce 18e enregistrement, techniquement, pour moi, c'était ce que je recherchais. Chaque enregistrement, c'est le même concept. Mais à chaque fois, on est monté d'un cran, on a augmenté la qualité, augmenté la qualité, toujours le même concept. Mais en plus, là, j'avais la même équipe depuis un moment, qui était passionnée, qui était rodée. J'avais le plateau que je souhaitais, mais à fond avec la régie, j'avais vraiment le matériel que je voulais, tout fonctionnait. Moi, j'avais la pêche, il y avait eu des petits miracles avant qui s'étaient passés. Et puis bon, je veux dire, Guy Gilbert, en plus, il était quand même bien débloqué. Et surtout qu'avant, je lui ai dit, écoute, Guy, tu peux envoyer, parce que vraiment, ici, c'est pas une télé. Donc, il faut en profiter, tu peux appuyer sur le champignon. Et c'était intense. Les quelques moments que j'ai passés avec lui, c'était intense. C'était droit au cœur, donc merveilleux, des souvenirs inoubliables. Bon, j'ai pas bouclé, j'ai toujours dit que je mettais entre parenthèses parce que. Ben voilà, comme j'avais l'impression quand même d'être arrivé au bout de ce que je cherchais, et puis que c'était lourd à porter, tout ça. Donc, que j'avais rencontré le domaine de la diffusion, que j'étais en accord en bon terme avec un diffuseur. J'ai enfin pu poser cette collection. Je me sentais plus seul, elle était rentrée dans un catalogue, elle faisait partie d'un ensemble. Elle était accessible par Internet, je me sentais plus tout seul. Il y a tellement de moyens de véhiculer de la conscience. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que je fais, voilà où j'en suis, voilà où tu en es. Voilà ce que nous essayons de faire. Voilà. Bon. Il y a quelques perles là-dedans. Moi, chaque fois que je les revois, ça me touche, ça me met la larme à l'œil, ça me dit que ben, la vie est belle, ça me dit que on a plein de belles choses à faire. À faire passer. Faire passer de la conscience. Faire passer de l'amour. Voilà, c'était fait pour ça. Hein. C'était fait pour que chacun l'intègre et le fasse passer. Merci Michel. Merci Jean-Jacques.